Cordiale salutation à tous nos pasteurs, nos candidats, ainsi que nos élèves et bien entendu à tous les chrétiens de Vie et Lumière. Voyez-vous, hier nous étions avec mon frère espagnol, avec le pasteur Ramon, et je lui disais, tu te rends compte, Ramon, combien de gens qui disent que les chrétiens sont tristes, que c'est un peuple avec qui il est impossible de vivre. Et je lui dis, ils ne savent pas ce qui manque. Parce que si tous ces inconvertis pouvaient venir vivre un peu au milieu du peuple gitan qui est chrétien, eh bien, ils verraient la différence. Nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Et pour cela, on n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin d'alcool, on n'a pas besoin de drogue, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, j'avais l'intention de demander justement à notre président Isaïe de prier pour vous. Mais Enoch m'a précédé, ce qui veut dire qu'on a bien le même état d'esprit ce matin. Que Dieu bénisse cette convention, parce que c'est une semaine bénie qui s'annonce pour nous à partir d'aujourd'hui. J'ai eu la joie de rencontrer hier soir les frères qui sont venus d'Angleterre. Ils sont une vingtaine de chrétiens conduits par le pasteur Freddy Garrett et Alan. Et ça a été pour nous un moment de réjouissance de rappeler comment est commencée l'œuvre là-bas dans ce beau pays. Aujourd'hui, l'Angleterre est en deuil, ils sont en train de faire les funérailles de leur reine, mais le peuple chrétien de Freddy et d'Alan, eux, ils ont toujours le roi des rois qui veille sur eux, et que Dieu bénisse l'Angleterre et qu'il bénisse bien entendu notre beau pays de France. Alors, je vous invite maintenant à ouvrir vos bibles, frères et sœurs, et nous allons faire une lecture qui va nous servir d'introduction au message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et nous allons lire le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et nous lirons donc à partir du verset 15 à 20. Il nous servira d'introduction ce texte à parler de ce magnifique fruit de l'Esprit qui est la bonté même pour les enfants de Dieu. Et là, c'est Jésus qui parle, et il dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre qui porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas non plus porter de bons fruits. » Et Jésus termine en disant, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Nous allons donc parler ce matin, frères et sœurs, du fruit de l'Esprit qu'il a été donné à l'Église de Jésus-Christ au moment de sa conversion, de sa nouvelle naissance. C'est en quelque sorte le cadeau de l'Éternel Dieu à ses propres enfants, afin de pouvoir résister dans leur vie chrétienne à toutes les tentations qui vont subvenir, notamment celles du monde, mais bien entendu aussi celles qui viennent de l'ennemi de nos âmes. Alors, nous allons le comparer à une sorte de grappe de raisin, à 9 grains, bien juteux et sains, et nous allons les relier ensemble, telle une chaîne à 9 maillons. Voici donc les 3 premiers groupes de ce fruit de l'Esprit que saint Paul détaillera dans Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, ça, on la manifeste envers Dieu. Le deuxième groupe sera la bonté, la patience et la bienveillance. Et ça, on l'exerce nous-mêmes envers les hommes qui nous entourent. Et puis enfin, le troisième groupe que nous allons dire, c'est la foi, la douceur, la tempérance, qui veut dire la maîtrise de soi. Et ça, on le pratique pour nous-mêmes. Nous allons représenter, si vous voulez, ces fameux fruits de l'esprit par ce pot de fleurs que ma petite fille m'a apporté tout à l'heure. Et
un pot de rose de neuf qui représente en quelque sorte les neuf qualités spirituelles que doivent avoir tout chrétien qui se respecte. Et toutes ces qualités vont nous rapprocher du Christ et des hommes. Et chacune de ces roses, au nombre de neuf, elles ont un message pour nous. Elles ont quelque chose à nous apprendre à la gloire de Dieu pour notre perfectionnement dans l'Église du Seigneur. Parlons tout d'abord de l'amour, qui est le premier, qui est le plus grand, et qui englobe, si vous voulez, tous les autres ensemble. L'amour dont il est ici question, ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas de l'émotion. L'amour n'est pas non plus une attirance envers quelqu'un ou vers quelque chose. Il s'agit bien entendu de ce que dit le langage de la Bible, l'amour fraternel qui va jusqu'au sacrifice. Regardez ce que Jésus a dit à ce propos. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, on est bien obligé de l'admettre que nous sommes en déficit sur ce plan spirituel parce que rares sont les chrétiens qui ont atteint, si vous voulez, cette perfection sublime, donner sa vie pour un autre. À ce jour, on n'en a pas connu. Eh bien, nous avons un exemple tout à fait exceptionnel dans le livre des Actes des Apôtres où un couple a réussi ce prodige. Il s'agit de Priscille et de Aquilas, un jeune couple de chrétiens qui ont habité dans un premier temps dans une région qu'on appelle le Pont, c'est le territoire de la Turquie actuelle, en Asie mineure. Et puis, ce jeune couple est parti ensuite pour Rome, puis de Rome, il est allé à Corinthe, de Corinthe, il est allé à Éphèse, etc., etc. Et j'ai pris la précaution de calculer le nombre de kilomètres qu'avait pu faire ce jeune couple pour être au service de Dieu, plus de 6000 kilomètres. Bon, je sais très bien qu'à notre époque, 6000 kilomètres, c'est à peine 3 heures d'avion. Mais rendez-vous compte que notre texte a 2000 ans d'existence et que tous les voyages, pratiquement sans exception, se faisaient à pied. Imaginez le nombre de jours, de mois et même d'années qu'ils ont parcouru avec leurs jambes. C'était donc un voyage énorme pour l'époque. Et puis arrivés à Rome, une fois qu'ils se sont installés, parce qu'ils sont commerçants, marchands et fabricants de tentes, ils vont rencontrer l'apôtre Saint Paul un peu plus tard, parce que de Rome, ils vont être chassés comme des malpropres, ainsi que tous les Juifs. Et puis, en partant de là, ils se dirigent vers la Grèce et ils arrivent dans une ville qui était une petite Rome en miniature et qui s'appelait Corinthe. Il y avait quelques 400 000 personnes à cette époque, dont le trois quarts étaient des esclaves. Et c'est alors qu'ils vont faire une rencontre qui va complètement bouleverser leur existence. Ils vont découvrir Saint Paul et ils vont accueillir ce vieux missionnaire dans leur maison et ils auront le privilège de voir le vieil apôtre écrire, rédiger l'épître aux Romains dans cette maison. Quel bonheur pour eux, accueillir le roi des prédicateurs de l'époque. Alors, on ignore comment et pourquoi ils ont risqué leur vie pour sauver la tête de Paul. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à ce moment-là, toutes les églises des païens étaient au courant de cet exploit. Et j'aimerais vous en faire la lecture qui va confirmer ce que je viens de vous dire pour vous montrer que c'était une époque tout à fait exceptionnelle. La foi de ces hommes et de ces femmes que nous avions à cette époque est en train de défier l'imagination. Regardez ce que la parole de Dieu dit justement par la bouche de Saint Paul lui-même. Je lis donc dans Romains chapitre 16, le verset 3. Et là, quand il écrit cet épître, il demande justement, en signant de son propre nom, qu'il salue Priscille et Aquilas pour ce qu'ils ont fait. Écoutez, saluez donc Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Essayez d'imaginer, frères et sœurs, le témoignage bouleversant de toutes les églises de l'époque qui ont été mises au courant de cet exploit, parce que c'en est un, aller jusqu'à offrir sa vie pour sauver ce vieux serviteur de Dieu. Et là, on rejoint ce que Jésus a dit.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce qui veut dire, ce qui m'amène à vous dire maintenant que le fruit dont nous sommes en train de détailler l'amour, c'est un fruit qui est rare, frères et sœurs. Il pousse difficilement, surtout de nos jours. Parce qu'il faut bien l'admettre que dans le monde, il y a des chrétiens qui laissent plus ou moins indésirer et leur fruit est plutôt, disons, vert ou gâté. Le manque d'amour, c'est également pour nous, Église de Jésus-Christ, un des imminents signes du retour de Jésus-Christ. C'est lui-même qui l'a dit. Voyez-vous, quand l'apôtre Matthieu est en train de détailler ce détail que Jésus a dit dans cette fameuse journée où il est en train d'expliquer justement les mystères de l'Évangile, eh bien, Matthieu a retenu la note et regardez ce qu'il dit dans son chapitre 24, que vous connaissez certainement et que bien des serviteurs de Dieu vous ont rappelé, mais qui ce matin a une véritable connotation avec l'amour dont on est en train de détailler, puisque le manque d'amour, c'est un signe très grand du retour de Jésus-Christ. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus au verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire, en langage clair, parce que le péché va être à son comble dans le monde, qui va grossir, le plus grand nombre de l'amour se refroidira. » Incroyable, Seigneur. Le manque d'amour qu'on constate dans certaines communautés dans le monde, eh bien, c'est un signe probant du retour fameux de Jésus-Christ. Autrement dit, ne soyons pas désolés en constatant que certains qui se prétendent être chrétiens et qui sont devenus d'une indifférence terrible, c'est un signe visible que nous sommes proches du retour du Maître. Caïn, pour parler l'un des premiers hommes de la parole de Dieu, avait un manque d'amour terrible. Et ce manque d'amour l'a rendu jaloux, coléreux, menteur, assassin. Et sa haine terrible qu'il avait contre son propre frère l'a poussé à aller jusqu'au but final qui a été la mort de son propre frère. J'ai eu la curiosité de savoir ce que les apôtres pensaient de cet individu qui pourtant parlait à Dieu, comme le faisaient son père et sa mère. Et regardez qu'est-ce que l'apôtre Jean dit à son sujet. Il parle des œuvres de Caïn, qu'ils étaient mauvaises, parce que Caïn était du malin. Incroyable, Seigneur. Premier homme qui vient au monde après Adam, il est déjà du malin. Vous lirez ça dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, 12. Jude, qui était le frère de Jésus dans la chair, lui aussi a parlé de lui. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? Qui font allusion à un des hommes qui a été le premier assassin de l'histoire et que ça remonte à des millénaires auparavant. Et regardez qu'est-ce que lui dit Jude. Bien des hommes, en parlant de sa génération, bien des hommes ont choisi la voie de Caïn. Et la voie de Caïn, c'était bien entendu la mort. Comme dira les proverbes, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Le manque d'amour, c'est quelque chose de terrible au sein même de l'Assemblée. Voyez-vous, si on pouvait faire un portrait tout à fait exceptionnel de l'amour, je pense que le plus beau portrait que nous ayons, qui a été écrit il y a de cela 2000 ans, nous vient de la part de l'apôtre Saint Paul quand il va écrire la fameuse épître aux Corinthiens et qui va écrire ce fameux chapitre 13. Je vais maintenant faire lecture pour vous parce que je sais que beaucoup de notre peuple ne savent pas malheureusement lire. Bon, ce n'est pas aux serviteurs de Dieu que je m'adresse, eux ils le savent, mais c'est surtout pour notre peuple qui eux sont en alphabet. Regardez ce que Saint Paul est en train d'écrire dans ce chapitre 13. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai même le don de prophétie,
quand j'aurai la science de tous les mystères, quand j'aurai toutes les connaissances et quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et il termine en disant, « Quand même bien je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, que je livrerai même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Mais qu'est-ce que c'est donc cet amour dont Paul fait ici allusion? Alors là, il le détaille avec précaution. Il dit, l'amour, il est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de mal, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, et il ne se réjouit pas non plus de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour, il supporte tout. L'amour, il croit tout. L'amour espère tout et il supporte tout. On ne peut pas trouver un tableau plus complet, frères et sœurs, de ce qui nous manque réellement pour être des chrétiens tout à fait parfaits. Et vous avez remarqué que saint Paul, ici, est en train d'énumérer des choses qui sont impossibles. Qui parle toutes les langues du monde? Personne. Qui parle la langue des anges? Personne. Eh bien, toutes ces choses qui sont impossibles, même si on les avait. Mais si on manque d'amour, ça veut dire qu'on n'est rien du tout. Alors peut-être avons-nous besoin, frères et sœurs, d'un exemple que vous connaissez, bien entendu, mais qu'il est parfois bon de rappeler. Les chrétiens de l'Église primitive étaient persécutés pour leur foi. Et tandis qu'on les frappait, qu'on les mettait à mort, qu'on les obligeait à entrer dans les arènes sanglantes où ils allaient passer de vie à trépas, eh bien, ils priaient pour leurs bourreaux. Et ils entraient dans les arènes à la mort en chantant des cantiques. Mes frères et sœurs, essayez d'être réalistes. De quelle pâte ils étaient faits, ces hommes et ces femmes, qui entraient dans la mort en chantant des cantiques? Incroyable, parce qu'ils savaient que quand ils fermaient leurs yeux sur cette terre, ils les ouvraient à la même seconde en présence de leur Seigneur. Ils ont résisté parce qu'ils avaient l'amour. Quel beau fruit! Quel beau fruit! Un fruit sain, juteux, que tout le monde aimerait pouvoir déguster à la gloire de Dieu. Alors n'oublions pas non plus que derrière tout cela, pour nous empêcher d'avoir ce don ineffable qui est l'amour, il y a bien entendu l'adversaire, et qui rôde comme ce lion rugissant, mais plus encore, il a un plan. Et le plan de l'ennemi, c'est bien entendu de détruire l'amour fraternel qui unit toutes les communautés, toutes les églises. Et j'ose dire ce matin que cet amour, nous l'avons quand même en lumière. Regardez toutes les ethnies qui sont différentes. Vous avez les Manouches, vous avez les Sinti, vous avez les Roms, vous avez les Voyageurs, vous avez les Yéniches, vous avez les Espagnols, vous avez les Catalans et même les Anglais. Et nous sommes tous unis sous la bannière du Christ. C'est ça qui est la bénédiction. Quand il y a l'unité, frères et sœurs, il y a la bénédiction. Mais quand il y a des divisions parmi nous, alors la bénédiction s'envole. Vous savez ce qu'a fait la victoire d'Israël quand ils ont affronté toutes les ennemis pour prendre possession du pays de la promesse? Dites-vous bien qu'ils étaient qu'une poignée. Et de plus, ce n'étaient pas des soldats de métier, c'était des anciens esclaves. Et ils ont dû vaincre 7 nations avant d'entrer dans le pays de la promesse. Mais leur succès, ils le devaient à ce verset de la Bible que je vais maintenant vous citer. Jude, chapitre 20, verset 8. Il est écrit que tous se levèrent comme un seul homme. Et c'est pour ça, l'unité faisait qu'il y avait la victoire. Quand on est uni, on est fort. La tactique de l'ennemi, bien que vous la connaissiez, il est bon qu'on la rappelle ce matin. La tactique de Satan, c'est de jamais laisser tranquille un seul instant un chrétien. Dès l'instant qu'il est baptisé, et qui veut mener une vie de sanctification, c'est une lutte de tous les jours. Et toute sa vie, il sera tenté.
Voyez-vous, il y a quelques semaines de cela, j'ai célébré tout seul avec ma femme les 67 ans de mon baptême. J'ai été baptisé le 14 août 1955 dans la mer tout près de les Sables d'Olonne. Très bien. Alors, on m'avait fait croire à cette époque, parce que la connaissance biblique de nos prédicateurs de l'époque laissait aussi à désirer, bien entendu, la plupart ne savaient pas lire, pas écrire. Alors, en sortant des eaux, moi qui n'avais que 14 ans, ils m'ont dit, tu sais, petit, fais attention parce que maintenant, le diable va te tenter pendant 40 jours. Ils m'ont fait la frousse de ma vie. Alors, non seulement ce verset biblique n'existe pas, mais je donnerai tout ce que je possède pour qu'il existe. Parce que si on était tenté que 40 jours durant notre vie chrétienne, je me renferme à double tour dans ma caravane, je ne sors pas du tout, et puis après à nous la bonne vie. Mais bien non, ce n'est pas ça. Jésus a été tenté 40 jours, vous allez me dire. Oui, mais vous n'avez pas lu la fin du verset. Et ça, à ce moment-là, quand vous direz Luc 4, 13, vous verrez que le diable s'est éloigné de lui jusqu'au moment favorable. Ça veut dire qu'il ne l'a pas quitté d'un seul instant. Et il a essayé, si vous voulez, dans les jours qui ont suivi et les 3 ans et demi qui vont passer, il a utilisé toutes sortes de stratagèmes pour faire dévier Jésus de sa mission. Tout d'abord, le diable a usé de flatterie envers les gens. Vous remarquerez souvent en lisant les évangiles que des gens sont en train de charabre Jésus. Ah, maître! Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais, etc., etc. Hein, savoir passer de la pommade dans le dos des gens. Et puis, à un autre moment, ils ont même voulu le faire roi. On n'est pas compte? Les tentations. Ce qui veut dire qu'il avait ici les flatteries, les honneurs, les richesses, afin de faire dévier Jésus de sa voie. Eh bien, l'Écriture nous dit que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage des hommes parce qu'il savait lui-même ce qu'il y a dans les hommes. Alors, laissons Satan et ses tentations, mais voyons-le maintenant sur les tentations de l'Église. Satan observe les chrétiens, il observe l'Église de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a un regard perçant, celui-ci. Hein? Et tout à coup, il va remarquer qu'il y a quelqu'un qui a des imperfections, un vilain chrétien ou une vilaine chrétienne. En règle générale, Satan s'attend davantage à des vilaines chrétiennes. Les hommes sont un petit peu plus à un niveau en haut. Alors là, il les regarde et il voit que cette brave demoiselle, elle est en train de parler un petit peu sur tout le monde. La langue qui leur démange, vous avez vu ? Comme c'est difficile. Hein? L'apôtre Jacques avait bien dit, les grands navires sont conduits par un petit gouvernail, mais la langue, personne ne peut la dominer. Et puis on va découvrir que le diable qui a vu cette personne qui est sujet à calomnier ses frères et ses sœurs, eh bien lui, au lieu de les atténuer, bien entendu, il va amplifier et il va grossir pour que l'on voit dans telle ou telle personne toutes les imperfections qu'il a. Voyez-vous, ce matin, très tôt, je me suis levé, bien entendu, comme font tous les serviteurs de Dieu quand ils doivent prêcher. Je ne fais rien d'extraordinaire, on fait tous la même chose. Je me suis donc levé très tôt, il faisait à peine jour, et je relisais cet exemple que nous donne le prophète Jérémie, qui était un prophète exceptionnel, comme vous le savez, mais qui a vécu des drames à cause de ses confrères, amis, et surtout son peuple qui ne comprenait pas le ministère de ce grand monsieur. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui. Et c'est là que l'on voit que la calomnie ne vient pas de Dieu, mais elle vient de l'ennemi qui veut absolument entraîner avec lui en enfer les enfants de Dieu. Nous allons maintenant assister à un complot. Jérémie chapitre 18, verset 18. Venez, ça ce sont les ennemis de Jérémie qui disent, venez et complotons contre Jérémie. Venez! Et tuons-le avec la langue. Seigneur, comment est-ce possible? Ceux qui se prétendent également prophètes comme lui, amis comme lui,
faisant partie du même peuple qui était au départ très uni. Et voici que la jalousie est en train de ronger ces hommes parce qu'ils n'avaient pas les révélations et ce que le prophète avait. Alors, ils décident de mettre fin à son ministère et ils font ce qu'on appelle un complot. Et ils utilisent la langue, la calomnie, la méchanceté. Et ils ajoutent, juste un peu plus loin, regardez ce qu'ils disent. Venez, coupons l'arbre et détruisons son fruit. Et là, l'arbre en question, c'est allusion au prophète Jérémie, c'est lui qui est l'arbre. Et son fruit, c'est son ministère, et c'est ce que les ennemis veulent détruire absolument. Alors, pour vous aider peut-être à comprendre ces sujets qui peut-être peuvent paraître un peu compliqués alors qu'ils ne le sont pas, nous pouvons prendre l'image de ces 9 fleurs qui sont ici et qui peuvent illustrer d'une façon tout à fait particulière la pensée biblique. Le diable qui est, comme vous le savez, je viens de vous le dire, un observateur terrible de l'Église de Jésus-Christ, et quand il a vu quelqu'un qui ne marche plus selon les voies, alors il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il va ôter l'amour fraternel que cet homme ou cette femme avait avant qu'elle devienne ce critiqueur modèle. Il l'enlève. Et étant donné qu'il n'y a plus d'amour, il la remplace, bien entendu, par quelque chose. La calomnie qui ne vient pas de Dieu. Alors que la bonne façon d'aller reprendre son frère, c'est de faire ce que Jésus a dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi seul et lui. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous ne voyez pas l'amour que c'est ça? Vous voyez quelqu'un qui est en train de faire un faux pas sur le plan spirituel, au lieu de le critiquer, au lieu de le trahir, parce qu'aujourd'hui vous avez tous dans vos poches un mouchard qui s'appelle le téléphone. Et il suffit de faire une petite bêtise aujourd'hui pour que demain la France entière est au courant. Il y a quelques années, j'avais pris mes deux fils, Azer et Jérémie, pour faire une petite expérience dans les églises de cette époque. Donc ça remonte à plus de 40 ans. Les garçons étaient âgés d'une quinzaine d'années à l'époque. J'avais demandé à Azer et à Jérémie, mes deux fils, d'étendre un grand drap blanc, 3 mètres sur 2. Et puis je demandais au public chrétien qui était là, « Qu'est-ce que vous voyez, frères et sœurs ?» Et tout le monde disait, « Un drap blanc !» Et ensuite, voyez-vous, j'ai pris mon stylo comme ça, et juste en plein milieu, j'ai fait ce qu'on appelle un tout petit point noir. Et je disais, « Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez ?» Tout le monde disait, « Un point noir !» Il y avait 6 mètres carrés de blanc et il voyait un point noir. Ça veut dire qu'on peut faire les plus belles choses au monde en tant que serviteur de Dieu. Et un simple petit faux pas, on verra le point noir. On ne se rappellera plus qu'il y a eu des guérisons, des conversions. Il a été le moyen utilisé pour que des foyers soient réconciliés. Non, tout ça est balayé en rien de temps. Pourquoi? À cause du petit point noir. L'amour qui est parti, mon Dieu. Comme Satan est fort dans ce domaine de savoir transformer les choses, et il fera exactement la même chose avec la joie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la joie et il la jette par terre. Alors, ne vous trompez pas, frères et sœurs, sur le mot joie. La joie chrétienne dont il est question dans les fruits de l'esprit ne dépend pas de notre compte en banque. La joie dont il est question dans l'Écriture sainte, c'est la libération du péché, la libération de toutes nos passions qui détruisaient notre corps, que ce soit l'alcool, la drogue, le mensonge et tout ce que vous voulez. Et la véritable joie que Dieu met en nous, c'est la joie d'être libéré. La joie de servir Dieu, et ça, ça n'a pas de prix. On rentre souvent le soir complètement crevé sur le plan physique, mais quand on se couche, Seigneur, j'ai fait aujourd'hui ce que tu m'as demandé de faire. Il n'y a pas de plus grande joie que cela. Et puis quand les serviteurs de Dieu qui remarquent que dans leur ministère, ils ont le bonheur de voir les guérisons, les âmes qui se convertissent, mon Dieu, quelle
Mais ça, ça vaut tous les trésors de la terre. C'est là la joie dont il est question, du fruit de l'esprit. Quand Paul et Barnabas sont allés d'église en église pour rapporter, n'est-ce pas, la conversion des païens, l'Écriture nous dit, ces paroles procurèrent une grande joie à toutes les églises qui les recevaient. On retrouve ce même mot à la naissance du Messie à Bethléem, quand les anges descendant du ciel viennent trouver les bergers et qui leur disent « Nous vous annonçons le sujet qui sera le sujet d'une grande joie. » Ce Messie qu'on attendait depuis des siècles était enfin né dans cette humble crèche qui était là-bas à Bethléem, la fameuse maison du pain. La joie que les serviteurs de Dieu ont de voir que les chrétiens sont fidèles. Et voyez-vous, ce matin, après que Enoch chantait, je promenais mes regards comme ça sur tout l'auditoire et je disais dans le fond de mon cœur, Seigneur, regarde tous nos chrétiens comme ils sont fidèles, ils sont venus. Et là, ça nous procure de la joie. On ne peut pas trouver une joie plus complète quand on découvre nos frères et sœurs qui sont fidèles dans les volontés de Dieu. Et c'est pour ça que le mot « joie » qui vient de l'hébreu a une signification qui veut dire « sauter de joie », « sauter de bonheur ». Et les visages, ils resplendissent de gaieté, de bonté, ils sont lumineux. J'avais l'habitude de dire avant, quand je voyais un chrétien qui était triste, c'était un petit code qu'on avait entre nos amis de l'époque, entre Paillon et etc. Et je disais, regarde, il a la figure comme 6 heures. Vous avez vu 6 heures comme c'est long? Alors, ayons plutôt la figure de 9h15, c'est souriant. Un chrétien se montre parce qu'il a un visage. Eh oui, on n'est pas triste. On est dans l'attente du plus grand événement de toute la terre, à savoir le retour de Jésus-Christ. Eh bien, le diable fera tout pour essayer d'arracher cette joie. Et il va la remplacer par quoi? Par de la tristesse. Et c'est là qu'on se rend compte que l'ennemi est destructeur. Ces deux bonheurs qu'on avait, qui étaient l'amour fraternel et la joie, voilà maintenant qu'elle se remplace par de l'angoisse. Et voyez-vous, Satan ne se décourage pas, parce que s'il en a eu deux, il veut avoir les 7 autres. Il est persévérant. Et il fera la même chose avec la paix. La paix. La paix qu'on recherche tant. Et dans l'original, voyez-vous, cette paix, c'est la tranquillité de l'âme. Et que ça ne dépend pas des circonstances de la vie. La parole de Dieu dit « mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Et c'est alors qu'on va découvrir Job, dont vous connaissez l'immense épreuve qu'il a eue. Il a perdu ses 10 enfants, il a perdu ses propriétés, son bétail, quoi encore, sa santé, et en plus son épouse qui est contre lui, avec une langue de vipère, maudit ton Dieu et meurt. Et lui, il regarde les autres chrétiens qui sont à côté de lui, à quelques encablures de là, et regardez qu'est-ce qu'il écrit dans son livre. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. Et c'est ça la bonté, quand Dieu donne la paix à un couple. Mon Dieu, quelle bonté, Seigneur. Alors qu'il y a des couples qui se chamaillent, qui s'agressent, comme c'est triste, comme il y a des mariages qui sont tristes, comme il y a des mariages qui ont été loupés parce qu'ils n'ont pas pris la précaution d'être préparés avant. Et j'en profite pour dire à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, ne vous mariez pas avec le téléphone. On ne se marie pas avec un téléphone, on se marie avec un homme, avec une femme. Et ne regardez pas s'il a une auto de 200 chevaux. On ne se marie pas avec un bout de tôle. Mieux vaut un bourricot chrétien que 100 chevaux païens. Le mariage est quelque chose de sérieux parce qu'il doit durer toute une vie. Alors on ne se marie pas sur un coup de tête, sur un coup de foudre, plutôt sur un coup de fou. Je me souviens quand j'étais fiancé avec celle qui est aujourd'hui mon épouse, et Jimmy était pareil avec Sonia, et on était tous les 4 ensemble. Figurez-vous qu'un vilain pasteur était venu nous dire, vous savez les gars, hein,
faut pas fréquenter cette fille-là. Hein. Le Seigneur m'a montré que ça va pas. Quelle tête de lard. On n'a jamais eu des épouses aussi consacrées que les nôtres. Comme quoi, les mauvais ragots continuent et Satan essaye de tromper la jeunesse. Alors, si vous devez vous marier, mariez-vous dans votre région. N'allez pas prendre une fille qui est à 3000 km. Il y en a assez dans la mission, bon sang de bonsoir. Et prenez que ce soit du chrétien, et là au moins, ça résistera. Alors, n'écoutez pas l'ennemi, parce que lui, il fera la même chose pour la patience. Ce fruit merveilleux qui est la patience. Et quand elle a été enlevée, qu'est-ce qu'il a mis à la place, le diable? Parce qu'il met toujours quelque chose à la place. Il mettra l'impatience. On a à peine commencé une chose, on voudrait déjà qu'elle soit finie. Je remarque ça aussi quand on va dans les magasins faire ses courses. Et s'il y a la queue au caisse, ça c'est à celui qui risquille. On n'a pas de patience. Le pasteur qui prêche tout le long, bon, on dévaine, il n'en finit plus. On va écouter 2 heures de chant, 1 demi-heure de prédication. Ils ont la danse de cinguer, ça bouge sur leur chaise. Alors, ce qui les sauve, le téléphone de misère, il sonne, ils sortent du chapiteau, et là, pendant un quart d'heure, ils discutent. On dirait qu'ils n'arrivent plus à se passer de cet appareil maudit qu'est le téléphone là. Utilisez-les dehors, mais pas dans l'église de Jésus-Christ. Lisez plutôt votre Bible, au lieu de consulter l'Internet. Et là, vous aurez du succès dans vos entreprises. Très bien. Alors, Satan continue. Il enlève la bonté, la bienveillance, la fidélité. Il n'a plus resté grand-chose là-dedans. Et qu'est-ce qu'il met à la place? Eh bien, quand il a enlevé la bonté, il donne la méchanceté. Quand il a enlevé la douceur, qu'est-ce qu'il met? Il met la violence. Quand il a enlevé la fidélité, qu'est-ce qu'il met? L'incrédulité. Et quand il enlève la tempérance? Vous savez ce que c'est la tempérance? C'est quelqu'un qui est capable de se dominer. Et quand on ne l'a plus, on s'emporte pour un oui, pour un non. Alors à la fin, qu'est-ce qui nous reste? Rien, le pot. Tout a été détruit par Satan. Et quand on regarde à l'intérieur, eh bien, il n'y a plus rien du tout. Et quand ces choses arrivent, que Dieu fasse que ça n'arrive jamais à aucun chrétien et à aucune chrétienne. Mais si ça arrive, commencent alors des nuits interminables. Des nuits où les pleurs seront la récompense de ceux qui ont failli. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à ce qu'ils étaient avant et qu'ils regardent à ce qu'ils sont devenus après. Le cœur est brisé, les larmes coulent. On perd la communion avec Dieu, on perd la communion avec ses frères, on se retrouve seul. Comme ce vase qui n'a plus rien dedans. Par contre, voyez-vous, ce matin, j'ai quand même pris la précaution de m'intéresser à lui qui est seul, le vase. Et j'ai découvert, frères et sœurs, comme tous les serviteurs de Dieu l'ont fait ici, que le vase est comparé aussi à l'église de Jésus-Christ, un vase, dit saint Paul, un vase d'argile. Ce qui va nous symboliser, si vous voulez, la fragilité de la vie humaine. On ne reste pas toujours jeune. Aujourd'hui, les jeunes gens qui sont là, devant moi, vous avez 2 trésors que nous n'avons plus, nous. J'ai bien dit 2 trésors. Vous avez la jeunesse et vous avez la santé. Mais figurez-vous que ces 2 trésors ne durent pas éternellement. Sans qu'on s'en rende compte. La vieillesse s'empare de nous sans qu'on s'en rende compte. Et puis un jour, vous constaterez que vos tempes commencent à devenir grises, blanches. Le tour de taille, pour vous, mesdemoiselles, il fera plus du 34, mais du 60 et plus. Eh oui, on vieillit! Et la vieillesse vient également de l'ennemi, parce qu'on a péché dès le commencement. Sinon, l'homme devait vivre éternellement. Alors, bien entendu, aujourd'hui, dans ce 21e siècle que nous vivons, un vase, en règle générale, c'est pour y mettre des fleurs. Mais à l'époque de la Bible, on y mettait autre chose que des fleurs. On lui mettait au moins 7 choses. La première, c'était de l'eau. Et l'eau, élément indispensable à la vie. Sans eau, rien ne pousse sur la terre. Ça serait la destruction totale en quelques semaines. Parce que aussi bien les animaux que les hommes ont besoin d'eau. Très bien. Ensuite, on y mettait du lait.
élément indispensable pour la naissance des bébés. S'il n'y a pas de lait, un enfant, on ne peut pas lui donner de la viande à la naissance. Indispensable. Ensuite, on y mettait aussi de la farine. La nourriture des hommes était présente ici. On y mettait du vin, qui est le symbole de la joie, l'huile, le symbole du Saint-Esprit. On y mettait du parfum, qui est le symbole des prières des saints. Et qu'est-ce qu'on y mettait encore? Même des parchemins. Et tous ces éléments nous rappellent ce que nous sommes en train d'étudier, frères et sœurs, ce matin, les fruits de l'Esprit. Et quand il est dit qu'on mettait des parchemins dedans, des lettres, alors là, il y a eu un flash. Et ce flash, il a été confirmé justement par Saint Paul. Il a décrit admirablement cette lettre. Regardez qu'est-ce que Saint Paul a écrit dans l'Épître aux Corinthiens, bien entendu, chapitre 3. Vous voyez, je me permets de vous donner toutes ces références pour vous montrer que ce n'est pas mes idées que je suis en train de dire, mais c'est ce qui est écrit. Et quand c'est écrit, c'est du béton. On ne peut pas rien changer. Regardez qu'est-ce que Saint Paul dit ici. Vous êtes une lettre, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs et connue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Vous la mettez dans l'église de Jésus-Christ et comparée à une lettre. Et bon Dieu Seigneur, le vase doit connaître et contenir cette lettre. Maintenant, permettez-moi de vous faire une petite remarque. Puisque nous sommes une lettre, vous comme moi. Mais qu'est-ce que le monde qui nous entoure, qu'est-ce qu'il lise en nous? Comment est l'Écriture? Est-ce que l'Écriture est claire? Est-ce que l'Écriture est facile à lire? Puis est-ce que cette Écriture est indéchiffrable? Je me souviens qu'il y avait un de nos amis qui l'écrivait, mais il écrivait tellement bizarre que c'était illisible. Et il y avait des quantités de fautes d'orthographe devant. Ça va qu'on le connaissait, on arrivait à se comprendre, mais ce n'était pas facile. Alors, la lettre que nous sommes, est-ce qu'elle est comme ça? Indéchiffrable, illisible, avec beaucoup de fautes à l'intérieur? Ça mérite ce matin de faire des corrections si on veut être béni à la gloire de Dieu. Alors, j'ai envie de vous dire, regardez à l'intérieur de votre vase qui est votre cœur et regardez quel est le fruit qui vous manque et vous aurez réponse à votre problème. Le fruit qui vous manque. Il y a parfois des fruits qui sont gâtés, vous savez. Des fruits qui sont verts, mais d'autres qui sont gâtés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la raison est toute simple. C'est pendant que l'arbre était en train d'être fleuri, une petite mouche est venue sur la fleur du fruit, elle a pondu un œuf dedans, et quand le fruit est venu un peu à maturité, le ver était à l'intérieur du fruit. Aussi, ma recommandation ce matin, en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous demander attention à tous ces petits vers qui sont en train de détruire et vos fleurs et le fruit dont Dieu vous a donné. Et voyez-vous, ces petits vers, ce matin, je leur ai donné des noms. Il y en a plusieurs. Mais quelques noms de ces petits vers qui peuvent contaminer toute une vie chrétienne. Et là, je prends le risque de déplaire aux gens. Parce que c'est vrai qu'un serviteur de Dieu ne dit pas toujours des choses agréables. Mais tel un chirurgien n'a pas de goût pour le pus. S'il veut accomplir son devoir, il doit le couper dedans pour soulager. Alors, je vais peut-être déplaire à quelques-uns, mais je prends le risque de vous déplaire. Si je peux en sauver quelques-uns, j'estimerai que je n'aurai pas perdu mon temps. Ces petits vers qui rongent le fruit dont Dieu nous a donné peut s'appeler argent, parce qu'aujourd'hui, c'est la course à l'argent. Autrefois, quand on priait le matin, on disait « Seigneur, pourvois à nos besoins ». On n'a plus besoin de cette prière maintenant. Tout le monde a ce qu'il faut. C'est là qu'est le grave. C'est là qu'est le danger. Un autre petit vers peut s'ajouter à celui-ci, que j'ai appelé ce matin très tôt, les loisirs. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent les loisirs.
les plages, certains endroits que j'ose pas nommer, mais que vous comprenez, bien entendu. Ce qui fait que ces petits vers qui sont agréables comme ça à la vue, mais à l'intérieur, elles vous mangent tout doucement. Un autre petit vers qu'on peut appeler le bien-être. On ne veut plus être comme ceux qui étaient, juste après-guerre, tristes, malheureux, parce qu'ils n'avaient rien du tout. Et enfin, un autre petit vers qui ronge comme de l'égoïsme, le modernisme aujourd'hui. On veut être comme tout le monde. Ah, parce que tu comprends, mon frère, si on n'est pas aujourd'hui moderne, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, les gens? Ils vont dire qu'on est des arriérés, des démodés, etc. Quand la jeunesse à qui des fois je m'adresse, dit, oui, mais ça c'était bon avant, frère, c'était. Aujourd'hui, on est moderne. Je leur dis non, on n'est pas moderne, nous. On est biblique. Parce que quand la Bible dit ça, on ne dit pas autrement. On n'essaye pas d'arranger les choses. On ne veut pas écouter la voix de l'ennemi qui veut qu'on détruise ce que Dieu nous a donné. Alors que nos vases, nos cœurs, ils soient propres, dans un bon état de conservation. Vous savez, pour terminer, un exemple que nous trouvons à l'époque des apôtres, bien entendu, c'était dans la Rome antique. Vous savez que la Rome antique, à l'époque, comptait plus d'un million d'habitants. C'était énorme pour l'époque, sans compter, bien sûr, toutes les peuplades aux alentours. Et eux étaient les hommes et les femmes les plus modernes de l'époque, alors que certains habitaient dans des petites huttes. Eux, ils avaient des palais de marbre. Ce qui veut dire que la jeunesse chrétienne était en plein à suivre un peu la mode romaine, qui était davantage décolletée que l'étaient les femmes juives de leur époque. Alors, on va en revenir à ce qui nous intéresse de plus près. Donc, les récipients de l'époque, c'était tous des pots en argile. Très bien. Alors, il y avait des marchands qui étaient parfaitement honnêtes, mais il y avait aussi des marchands véreux. Ça voulait dire qu'on achetait des pots de basse classe, mais qu'il y avait des petites fissures dedans, des petits trous. Alors, évidemment, quand on mettait de l'eau dedans, tout partait là-dessus. Alors, pour tremper la clientèle, on prenait de la cire et on bouchait tous les petits trous de sorte que le client, il voyait que du bleu. Il croyait qu'il faisait une bonne affaire en achetant un pot bon marché. Mais le soir, il mettait son huile, son vin, son parfum, etc., etc. Mais sous l'effet du soleil, la chaleur, la cire fondait. Et le matin, quand la ménagère voulait prendre son pot d'huile, il était à sec. Quand elle voulait prendre son parfum, qui à l'époque coûtait des fortunes, tout avait disparu. Alors les marchands, eux, qui étaient sincèrement honnêtes, eux, ils avaient fait une inscription sur leur pot. Et ils avaient marqué dessus en latin, sincera. Sincera. Ça voulait dire, les pots qu'on vous vend, il n'y a pas de cire. Est-ce que je me fais comprendre là? Les pots sans cire, qui a donné en français le mot sincère. Si vos vases sont pleins de trous, et je sais qu'il y en a des trous, n'essayez pas de ramollir les choses en mettant de la cire dessus. N'essayez pas de cacher aux autres ce que vous êtes véritablement. Parce que devant le Saint-Esprit, on ne peut pas se cacher. On peut tromper les hommes. On peut tromper nos familles. Mais on ne trompera pas le Seigneur. Impossible. Parce qu'au rayon du soleil de justice qu'est le Christ, la fausse cire va fondre. Et qu'est-ce qui va apparaître? Eh bien, toutes ces imperfections. Ça veut dire qu'ils auront encore tout perdu. Et là, il n'y aura plus rien à faire. Alors, frères et sœurs, terminons en citant. Que nos fruits ne soient pas gâtés. Que nos fruits soient en bonne santé. Et s'il y a un fruit qui est malade dans la corbeille du fruit de l'esprit, ôtez-le. Et s'il y en a qui sont verts, qui ne sont pas encore mûrs, c'est la même chose. Regardez ce que le prophète Ézéchiel et Jérémie ont dit, de connivence ensemble, sans se consulter. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ce qui veut dire que le péché des parents avait fortement influencé les enfants. Et ils faisaient la même chose. Car ne l'oublions pas, que la première école d'un enfant, c'est son foyer. En voyant son père et sa mère vivre chaque jour, prenez un foyer inconverti où le mari est ivrogne.
Vous pouvez être sûr à 80% que les garçons suivront l'exemple. Prenez l'exemple qu'une femme, Torah, vous êtes sûr que les filles feront la même chose. C'est là la première école. Donnons à nos enfants ce qui est bon. Jésus avait dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit. Mais moi, je me pose la question aujourd'hui avec honnêteté. Est-ce que tous les parents donnent des bonnes choses à leurs enfants? Je crois que la réponse est non, parce qu'il y en a qui le font, mais d'autres qui le font moins. Et vous savez, quand on donne à des enfants de 4-5 ans des téléphones ou des tablettes pour qu'ils se saccagent à lire ça du matin jusqu'au soir, je ne pense pas que ça soit très bon. Soyons honnêtes, frères et sœurs. On a besoin d'un renouveau souverain. Et ce renouveau, les fruits de l'esprit nous les ont rappelés. Nous avons besoin de cet amour fraternel. Nous avons besoin de cette joie. Nous avons besoin de cette paix, etc., etc. Et surtout de cette maîtrise, capable de se contrôler. Parce que tout le monde est capable de se mettre en colère. Seuls les vrais, véritables enfants de Dieu sont capables de ne pas le faire. Et je me souviens, j'étais en train de discuter avec un de nos vieillards qui, à l'époque, avait déjà plus de 80 ans, alors que moi, j'en avais à peine 40. Et j'essayais de lui inculquer les vérités de l'Évangile. Et il ne voulait rien savoir. Et pourtant, il suivait nos conventions depuis 40 ans. Et puis, il y avait juste en face de nous un petit groupe de jeunes, entre 15 et 18 ans, qui étaient en train de répéter un cantique pour la réunion du soir. Et je disais sur lui, regarde, eux, ils ont quelque chose à offrir au Seigneur. Ils ont toute leur jeunesse, toute leur santé, etc. Mais je dis, toi, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Tu as un corps imbibé d'alcool et de tabac, et depuis 80 ans, tu es comme ça. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Je garde la religion de mes vieux parents. 8 jours plus tard, c'est pas 100 ans, hein, 8 jours plus tard, je suivais son corps au cimetière, il terminait son pèlerinage sur terre en ayant refusé la grâce de Dieu. Ne faites pas cette bêtise ce matin, de sortir de notre chapiteau sans avoir fait la rectification qui s'impose. Et là, c'est votre responsabilité à chacun, puisque chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà, mes frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous a fait du bien. En tout cas, à moi, ça m'en a fait beaucoup, et je pense que ce soir, je dormirai tranquille à la gloire de Dieu. Que diriez-vous si on terminait par la prière maintenant? Hein? Et puis peut-être que Isaac Castro pourrait terminer pour nous par la prière.